Bonjour, mes chers élèves de CE1. Bienvenue sur votre chaîne Jocomelec TV. Alors aujourd'hui, on va voir une séance de reprise et de ce type. Je vous propose plusieurs activités. Allons-y. Alors, mes chers élèves de deuxième année primaire, je vous propose maintenant la correction des six activités. On va commencer par la première. Je continue à ranger les noms dans le tableau. Alors, il y a le masculin, il y a aussi le féminin. On dit un bonnet, un chapeau, un foulard, un gant. C'est toujours avec le déterminant 1. Un bonnet. Un chapeau, un foulard, un gant. Pour le féminin, on dit une casquette, une écharpe, une veste, une moufle. Une casquette, une écharpe, une veste, une moufle. Toujours avec le déterminant une. Alors, je range les noms dans le tableau selon le déterminant. Ici, une partie de conjugaison. Je complète les phrases avec les verbes proposés, puis je relis avec l'infinitif. On a ici viennent, dit, vient, venons, disent et dites. Normalement, on dit tu viens avec ton frère. C'est le verbe venir. Les élèves viennent à l'école en car. Et nous venons prendre de ses nouvelles. C'est toujours avec le verbe venir. Tu viens avec ton frère. Les élèves viennent à l'école en car. Nous venons prendre de ces nouvelles. Pour le verbe dire, on dit Ali et Kader disent au secours. C'est le verbe dire. Ali et Kader disent au secours. C'est le verbe dire. Vous dites que se passe-t-il? Vous dites que se passe-t-il? Il dit que tout va bien. Il dit que tout va bien. C'est le verbe dire. Je répète encore une fois. Ali et Kader disent au secours. Vous dites que se passe-t-il? Il dit que tout va bien. C'est le verbe dire. Tu viens avec ton frère, c'est le verbe venir. Les élèves viennent à l'école en car, c'est le verbe venir. Allez, cadets disent au secours, c'est le verbe dire. Vous dites que se passe-t-il, c'est le verbe dire. Nous venons prendre de ces nouvelles, c'est le verbe venir. Il dit que tout va bien, c'est le verbe dire. Voilà. On continue avec d'autres exercices. Je vous propose maintenant troisième activité. Écris les mots dans le tableau. Écris les mots dans le tableau. Anorak, équilibre, ski, casque, combinaison, cagoule, kilomètre et piqué. Alors, ici, on a un tableau qui est composé de trois colonnes. Il y a la lettre C. Alors je vois la lettre C, je vois Q, je vois la lettre K. Mais ça se prononce tout, ça se prononce K, le son K. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit casque, combinaison et cagoule. Ici casque, c'est la même chose ici, parce qu'il y a Q et C. Casque, équilibre et piqué. Anorak, ski et kilomètre. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'écrire les mots dans le tableau selon les trois colonnes. Parce que je vois la lettre C et ça se prononce K, je vais mettre ici. Je vois Q et ça se prononce K, je vais le mettre ici. Et je vois K. Je vois la lettre K. Et ça se prononce K, je dois mettre ici. Alors, ce qui est kilomètre. Alors maintenant, approfondissement. Dans le texte, souligne les noms masculins en bleu et les noms féminins en rouge. Je lis d'abord le texte. Ce matin, le vent a soufflé fort et a emporté quelques tuiles des toits de ma maison et a déraciné un arbre dans le jardin de ma voisine. Quelle peur j'ai eue. Alors, les noms masculins en bleu. Les noms masculins en bleu. Alors, il y a ce matin,
le vent, du toit, un arbre, le jardin. Ce matin, le vent, du toit, un arbre, le jardin. Ce sont des noms masculins. Les noms féminins, on a tuile, maison, voisine et peur. Tuile, maison, voisine et peur. Voilà. Ce matin, le vent, du toit, un arbre et le jardin, c'est au masculin. Tuile, maison, ma voisine, peur, c'est au féminin. Alors, je complète la phrase avec le verbe proposé conjugué au présent. On dit ce soir, ma grand-mère vient manger à la maison. C'est le verbe venir. Maman me dit si on préparait une salade de fruits. Maman me dit si on préparait une salade de fruits. C'est le verbe dire. Je dis si c'est une bonne idée. Vous venez de terminer le repas. Alors, il faut mieux de faire très attention à ces deux verbes. Petit rappel, le verbe venir au présent. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Le verbe dire, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Voilà. Alors, c'est tout pour le moment. À la prochaine.